Après avoir exposé dans divers pays, un célèbre peintre lyonnais expose pour la première fois en solo à l'île Maurice, à la galerie Illa Dossiani. Charles Esquelin, qui se décrit lui-même comme un peintre la cour, a débuté sa carrière dans la rue. Ça fait longtemps que je pense à une exposition sur les îles, parce que j'ai beaucoup d'amis peintres dans l'océan Indien et dans d'autres îles du monde aussi. Et l'occasion m'est donnée par cette invitation par la galerie Illa Dossiani. Je suis passé à la peinture vers 1990-91, mais je suis autodidacte, je n'ai pas de diplôme des beaux-arts, j'ai un CAP de dessin publicitaire, donc j'ai appris un peu sur le tas la peinture. Hein. Et puis je suis quelqu'un de populaire, je suis toujours au contact des gens. Un peintre lacour, c'est quelqu'un voilà, qui ne s'est pas pris un peu pour une diva. Pendant 17 ans, presque 20 ans, j'ai fait des portraits des gens dans la rue. Les gens s'asseyaient, en un quart d'heure, il fallait faire leur portrait. Donc j'ai appris à travailler vite aussi à ce moment-là. Je suis Charlie depuis 1997, date de l'ouverture de ma galerie à l'époque à La Réunion. J'ai déjà fait deux expositions solo avec Charlie à La Réunion. Et je l'ai toujours suivi, on a toujours travaillé ensemble. Il y a deux ans, il y avait une exposition sur le Goni au musée de l'aventure du sucre. Je l'avais présenté à la directrice pour qu'il présente des pièces. Et c'est un artiste qui me tient à cœur et en plus avec qui j'ai des liens d'amitié. Je suis artiste photographe plutôt. Et bon, Charlie, on le connaît à travers d'autres amis artistes et on s'est dit, il est assez de renom, donc on s'est dit on allait faire le déplacement justement pour venir voir ses œuvres. Ça fait une quinzaine d'années que je voyage, j'ai beaucoup exposé à Paris aussi, mais beaucoup l'Asie, donc j'ai engrangé pas mal d'expériences et cette exposition a été le moyen pour moi de mettre en pratique des rencontres, des techniques que j'ai vues en Asie, surtout au niveau de l'encre de Chine, comment travailler à l'encre, et je la mélange aussi avec l'huile dans certaines œuvres. Donc c'était un moment intéressant dans mon parcours. Poétique et modeste, l'artiste se laisse guider par son imagination dans la réalisation de ses œuvres. Ses tableaux reflètent ses pensées et son amour pour les gens. Il retranscrit aussi la créolité dans ses peintures, évoquant tantôt des paysages, tantôt des scènes de vie ou des portraits. Des œuvres perchées sur la frontière entre le réel et l'irréel. Avec un pied dans le monde et l'autre dans l'imaginaire. J'aime les gens, je reçois dans mon atelier, j'ai commencé dans la rue. Mon atelier est toujours ouvert au public. J'aime bien faire des choses que les gens partagent. Une œuvre, on la regarde, même ceux qui n'achètent pas, on partage. Dans un vernissage, les gens passent devant, regardent. Donc c'est quelque chose que, voilà, pour moi, j'aime partager, tout simplement. Des fois, le curseur se déplace du réel vers l'irréel. Ça se passe, je fais confiance à ma main et je me laisse guider. Et souvent, je ne travaille pas d'après des images, donc du coup, ce qui vient de mon esprit devient un peu plus poétique que copier des images. Et du coup, mon imagination me guide vers des choses, des personnages, des choses qui apparaissent dans la forêt, les arbres et les rochers deviennent des personnages. Donc je me laisse un peu guider vers ce monde onirique. Les scènes de vie, c'est vrai que depuis mes débuts, j'ai toujours beaucoup aimé les scènes de vie parce que, comme je vous disais, j'aime les gens, donc les gens qui sont en train de faire des choses dans la rue, je trouve ça toujours formidable. Une ombre d'un personnage par terre, une dame avec une ombrelle, c'est la vie des gens. Et je trouve ça super, donc j'essaie de retranscrire une créolité, qu'il soit ici ou à La Réunion ou ailleurs d'ailleurs, parce que j'ai peint aussi en Thaïlande et en Chine, etc. Mais les gens restent les gens. L'humain, voilà, je dépasse le cadre des frontières, du nom des pays, mais j'aime bien voilà, des scènes où les humains sont en train de faire des choses et positives. Il y a une pièce qui a une résonance plus particulière pour moi, c'est cette toile de paysage qui s'appelle Footpass, qui est en fait une toile complètement imaginée par Charlie, mais qui reflète totalement les paysages des cirques de La Réunion, cirques où j'ai souvent marché, et
Et donc ça me rappelle de bons moments. Le travail de Charlie maintenant est principalement onirique, puisque de toute façon, lui, tout son travail est basé bien souvent sur l'imaginaire. Il ne travaille pas à partir de photos, à partir de cartes. De temps en temps, il va peindre sur le motif. D'ailleurs, il y a un dessin qu'il a peint ici, sur la plage de Bainbœuf, mais tout le reste, mais qu'il a transformé, même s'il est face à un paysage, il va le rendre quelque peu imaginaire et onirique. Le collage, l'assemblage et l'encre de Chine sont des techniques qui traduisent le rêve dans ces tableaux. Je ne le connaissais pas et je viens de le découvrir et je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre nous deux. Et je viens de faire sa connaissance, il est extrêmement passionnant et son univers est fantastique. J'aime beaucoup l'improvisation de son travail, rien n'est prédéfini à l'avance, il se jette dans le vide. Et c'est un peu ma façon de travailler également, de ne pas faire de storyboard, de ne pas avoir des idées trop préconçues à l'avance et d'y aller. Et je trouve qu'il y a pas mal de ça chez lui. Chaque tableau a une interprétation différente. Quand on est un tableau, à première vue, on ne trouve pas grand-chose. Mais plus tard, on va s'y aller, on contemple, on rentre dans le détail. On trouve beaucoup à faire parce qu'un tableau n'est pas juste devant, il est à l'arrière. Parce qu'un tableau n'est pas juste guetter, nous lire un tableau. Parce que là, c'est lié ainsi, parce qu'il y a un descriptif, je ne suis pas capable d'écrire alors. Mais parce que moi, souvent, des fois, quand on a un tableau, c'est moi, pour moi, il y a une thérapie. La peinture, c'est une thérapie, c'est un genre qui est capable d'arriver pas au même, au guéri ou même n'importe qui maladie. Non, c'est tout simplement un stress. C'est la peinture qui est douce, tout ça là. Pour moi, il y a une thérapie. Il dit exécuter ses œuvres rapidement, mais avec beaucoup de précision. Ancien peintre publicitaire, il aura développé une palette de couleurs vives. Néanmoins, il ne cesse d'apprendre et de se réinventer. J'ai commencé par faire des collages et des assemblages de matériaux, de la tôle quand j'étais plus jeune. Mais j'avoue que depuis mes voyages en Asie, l'encre de Chine m'a beaucoup interpellé, même si je ne suis pas calligraphe, mais j'ai intégré le travail de l'encre dans mon travail. Donc je suis un touche-à-tout. Je n'aime pas. C'est vrai que j'aime beaucoup peindre à l'huile. Mais peindre à l'huile sur un travail à l'encre, je trouve ça très très chouette. Ça me motive, ça me donne un autre plan. C'est comme si je mettais du rêve, une dose de rêve de plus dans mes œuvres et ça me plaît beaucoup. Moi. Je peins d'une façon qui s'appelle à la prima, c'est-à-dire d'une seule traite pratiquement. Donc je ne travaille pas longtemps sur mes œuvres. Les gens des fois trouvent ça bizarre parce qu'il y a beaucoup de détails. Mais je suis un peintre qui travaille vite. Et j'aime bien travailler dans une sensation. Si la scène est dans ma tête, il faut que je la fixe assez vite, même si je ne la finis pas. Mais on va dire à 80 ou 90%, il faut que le tableau soit avancé dans la journée parce que c'était un rêve qui va partir très loin et j'ai peur qu'il ne revienne pas. Donc je fixe très vite cette sensation et ce moment. Depuis, j'ai fait une résidence au musée Léon Dierx à Saint-Denis, à la capitale, à La Réunion. L'exposition était majoritairement en noir et blanc et je me suis surpris à aimer le noir et blanc alors que je suis coloriste parce qu'en Asie j'ai vu beaucoup de choses en noir et blanc et j'ai vu qu'on peut travailler en noir et blanc, il faut juste savoir le faire, donc j'apprends. En ce moment je suis un étudiant qui pratique beaucoup mais j'ai beaucoup apprécié travailler en noir et blanc aussi. Je pense que comme artiste il faut faire beaucoup d'expériences. Et là, comme on a tous ces travaux-là, donc c'est très bien. Et moi, j'encourage les artistes donc d'essayer de différentes techniques. I like the complexity and the technical skill I see inside. Il y a une certaine dualité, mais en même temps, il essaie de dépasser la dualité, la complexité de la nature, de l'être même. C'est une remise en question de ce qu'on vit et tout ça. Cette exposition était aussi un terrain d'essai pour de nouvelles techniques. Par exemple, le noir et blanc transitionnant vers la couleur. Une façon esthétique de rallier le passé, le présent, le futur et d'unifier des éléments disparates. C'est une nouvelle vision que ce peintre nous dévoile. Moi, je pense à l'histoire que je peux raconter aux gens quand je fais une œuvre. C'est pour mettre en tête des gens que on est dans un monde moderne, des fois très business, etc. Donc, dans le passé, on l'était un peu moins, on était plus en rapport avec la nature. Donc,
Ça me sert aussi, mes hommes, ce travail sur le noir et blanc et la couleur me sert à ramener les gens pour leur dire, mais revenez un peu dans le monde naturel. Je regarde souvent les photographes et je trouve que soit c'est en couleur, soit c'est en noir et blanc. Mais je me suis dit, ben moi je suis peintre, qui m'empêche de faire une partie en noir et blanc, une partie en couleur. Et sorti de l'expo du musée Léon Dierks, où tout était en noir et blanc pratiquement, j'ai voulu intégrer au fur et à mesure de la couleur. Donc je dose au fur et à mesure de mes humeurs, de chaque jour, on est un peu changeant. Donc et puis ça c'est un cliché, une partie du tableau fait penser à avant, une partie c'est maintenant, peut-être une autre partie est un peu l'avenir. Donc je joue un peu avec le temps dans mes œuvres, et ça c'est nouveau. Je joue avec le temps, intégrer aussi le vent, la pluie, l'eau. J'aime bien jongler avec ces éléments qui n'étaient pas là avant. Il faut vraiment tous les jours mettre la toile sur le chevalet et voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Moi, mon plus grand concurrent, c'est moi-même. Donc je me mets en face de moi et je me dis, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Un artiste ne suit pas une règle. Le système, souvent, dans les pays, veut que les gens suivent un modèle. Un artiste, son modèle, c'est lui-même. Voilà, on a des maîtres dans la tête, mais il faut se faire confiance et se façonner tous les jours. On est comme une sculpture qu'il faut tailler tous les jours. Au fil des années, le travail assidu de Charlie Lesquelin a façonné sa créativité, sa démarche et sa confiance en lui-même. C'est une référence pour les jeunes artistes. Je n'ai pas été dans un schéma. Et souvent on me pose la question pourquoi j'ai autant de créativité, de chaque œuvre, je trouve toujours des nouvelles idées, toujours au bout de 28 ans, 30 ans. Pour moi, un artiste doit rester intègre et au contact. Si un enfant vient te parler pour te demander quelque chose et tu ne lui parles pas parce qu'il ne va pas acheter ton tableau, tu as raté quelque chose. Moi je dis, je fais partie d'une famille d'artistes. Cette exposition, intitulée « D'une île à l'autre », aura permis aux Mauriciens de découvrir les œuvres d'un peintre autodidacte qui a fait le choix de vivre de sa passion. Charlie Lesquelin continue son parcours au fil de ses créations, au fil de la rencontre avec les autres.